1, 2, 3. Le papier ma papier. Oh, j'étais pourtant sûre que ça te réveillerait un peu. Oh, pardon. Désolée, Twyla. J'étais juste en train de me demander quel effet ça faisait de faire ça. Oh, oui, j'imagine que les gargouilles ne savent pas nager, n'est-ce pas? Non, je coulerai à pic en moins d'une minute. Mais ça doit être tellement merveilleux. Et maintenant, Calimari va effectuer son premier plongeon pour l'équipe des plantons. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. Dites-moi ce qui se murmure dans les couloirs. Oh, tiens, Wow. Ralentis un peu, Spectra. Qu'est-ce qui t'arrive là? Il me faut quelque chose de nouveau pour le blog Ruler Spectral. Et je n'ai rien du tout. Deux jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Et mes lecteurs commencent sérieusement à s'impatienter. Ne t'inquiète pas, Spectra. Je vais t'aider, moi. Juste après la compétition, je te promets que je te trouverai une bonne histoire. Non, une histoire géniale. Je te le promets. C'est tellement gentil à toi, Claudine. Mais pourquoi tu es toujours là pour moi? Non, ça sert à ça, les amis. Ah, je vais interroger les fantômes. Ils ont peut-être entendu quelque chose. Allez, les fantômes, vous avez forcément une histoire pour le blog Ruler Spectral. Opérita? Voyons voir. Ah, je sais. Mani et Iris se sont séparés et puis ils se sont remis ensemble et ensuite. C'est l'histoire ancienne. J'ai besoin de quelque chose de nouveau. Il paraît que Monsieur Charcuteur se ronge les ongles. Ah, j'aime les spirites. J'ai du nouveau. Pas dégoûtant. F-O-N-S-P-R-E. On est démontré qu'on en veut. J'en ai une excellente. Si tu triches à l'examen d'expression artistique terrorisante, tu seras suspendu de ton équipe de pom-pom monstres pour tout un mois. Hey, tu sais quoi, Spectra? Je crois que j'ai aussi un super ragot. Là, je tiens mon histoire. Allez, les ghouls, une pyramide parfaite pour un final impeccable. Spectral, un nouveau poste sur Rumeur Spectral. Attention, fidèle lecteur, votre journaliste préféré vient d'apprendre que les loups-garous de Montserrat sont tous victimes d'une invasion de... Il est plus garou. Il est plus garou. Je dois m'en aller d'ici. Ouais, c'est moche. T'as des puces garous. Je t'adore, Claude, mais je m'en vais. Oh non, des puces garous. Miaou. Mieux vaut rester à l'écart des loups-garous. Claudine, tu as des puces garous. Quoi? Oh, arrête de bouger! Non, je n'ai pas de puce garou. Ça n'existe pas d'abord. Stop, stop, tu vas tous nous faire tomber! Désolée. Là, les ghouls, je vais avoir deux mots à dire à Spectra. Oh, reste un peu, n'y pense même pas, tu veux? Désolé, Draculaura. Ah, c'est des spirites. Tu as failli me faire peur. Claude m'a demandé de te donner ça. Il a des puces-garous, je crois. N'approche pas. Je suis probablement contagieux. Dis-lui merci pour ces jolies roses. Mais sérieusement, je ne fais plus peur comme ça. Écoute un peu, mes amis fantômes et moi, on va hanter le centre commercial cet après-midi. Tu pourrais venir avec Claude? Mais apparemment, je suis une coiffeuse sensationnelle. Non, j'ai les ghouls. Je pense que je suis hantée. Tu en es sûre?
vraiment sûre. Sirena, tu es à moitié fantôme. Tu dois t'y connaître là-dessus, non? Ma grand-mère disait qu'on pouvait se débarrasser des fantômes en retenant sa respiration. Je crois que je confonds avec le hockey. Peut-être qu'on devrait aller parler de tout ça à un autre fantôme. Spectra, on a un gros problème. Oh, ça, tu peux le dire. Il m'arrive la pire chose qui puisse arriver à un fantôme qui écrit un blog. Je n'ai vraiment rien à raconter. Non, moi, je voulais te parler de l'histoire que tu as postée hier. À propos des puces garous. Ah oui, alors comment tu te sens? J'espère que ça ne te gratte pas trop. Spectra, c'est ridicule, ça n'existe pas, les puces garous. C'est juste une grosse intox que quelqu'un de malveillant a imaginé. Une rumeur complètement délirante. Je sais très bien que tu n'as voulu faire de mal à personne, mais il faut que tu fasses un peu attention quand tu postes des rumeurs de ce genre-là. Tu devrais d'abord faire quelques vérifications au moins. Claudine, je suis tellement désolée, tu sais. Ma meilleure amie, c'est toi. Et je n'ai jamais voulu te causer le moindre problème avec mes histoires. J'ai entendu dire que Gros Kyumon n'avait pas pu venir à l'école parce qu'il avait la teigne des esprits. Oh, la teigne des esprits. Voilà, ça y est, tu recommences. Je suis désolée. Je n'ai pas changé d'avis, Spectra. Je vais t'aider à trouver de nouvelles histoires. Merci, Claudine. Je suis tellement frustrée quelquefois. Les bonnes histoires ne se trouvent pas sous le sabot d'un centaure, tu sais. Draculaura est hanté. Hanté? Oh non, ce n'est pas possible qu'il soit hanté. Peut-être que c'était juste le vent. Tu crois que c'est le vent qui m'a fait des coiffures? Comprends-moi bien, je trouve ça super. C'est vrai, non? Est-ce que tout va bien, Spectra? Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être hantée. C'est contre les règles. Les règles? Mais quelles règles? Waouh, là, j'ai comme l'impression que tu ne nous dis pas. Ne t'inquiète pas, Draculaura, ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus, je te le promets. Alors, tout s'arrange? Problème résolu. Passons au suivant. Oh, et si on aidait Claudine avec son problème de puce garou? Venez, allons voir où elle est allée. Non, mais j'ai promis à Spectra que je l'aiderai à trouver l'histoire et je ne sais pas trop ce qu'elle fabrique, mais je ne vais pas la laisser tomber. Clairement. Est-ce que quelqu'un veut voir des canons à compéter? Spectra, mais qu'est-ce